dans ce nouveau tuto, nous allons parler d'une bonne vieille technique qui s'appelle la pince. Ça consiste en quoi? Ça consiste à jouer des lignes de basse avec l'index et avec le petit doigt essentiellement. Pourquoi, me direz-vous? Parce que, il faut jouer en boucle les lignes de basse, très souvent dans les morceaux, les jouer encore, et surtout il faut les jouer longtemps. Et ensuite on a un deuxième morceau à faire, suivi d'un troisième morceau, suivi d'un quatrième morceau. Vous avez compris l'idée. Donc du coup, il faut détendre cette main gauche au maximum. Je vous donne un petit exemple comme ça, si je joue un truc un petit peu funky. Bon, bah vous voyez que pour l'intervalle fondamental septième mineur, la main gauche, elle tombe très bien dans cet espace de trois cases, quoi. Naturellement, clac. Donc ça vient un petit peu à l'encontre d'un présupposé qui existe chez les profs de musique, particulièrement chez les profs de basse. On entend toujours dire que pour jouer de la guitare ou de la basse, un instrument à cordes, il faut un doigt par case. Et en fait, c'est faux, tout simplement. Donc vous verrez des très bons bassistes, quand vous allez traîner sur YouTube, à la recherche de petits tips and tricks pour améliorer votre jeu de basse, vous allez voir plein de bassistes jouer sur YouTube, dont certains qui, eux, joueraient ce groove comme ça. Avec index annulaire. Grand bien leur fasse. Il y a des chances qu'ils aient un passif, soit d'apprentissage classique, el famoso, un doigt par case, ou alors que ce soit également des guitaristes qui se sont mis à la basse, ça c'est possible aussi. Et ils ont gardé cette habitude du un doigt par case. C'est pareil, si on doit jouer des octaves, normalement, la pince, selon Francis Rocco Prestia, selon Marcus Miller, selon Victor Wooten, selon Joe Dart de Wolfpack, selon quelques centaines de bassistes plus ou moins connus, jeu en octave, index, petit doigt. Vous verrez quand même des bassistes faire index annulaire. Seulement, si on regarde d'un peu plus près, bon, ça marche, sans problème. Par contre, selon la morphologie de chacun, moi j'ai des doigts de nain de jardin ou de hobbit, selon. Là-dedans, il y a une petite tension quand même. Par rapport au fait de mettre le petit doigt, où là, les doigts du milieu, petit à petit, vont venir se poser sur la basse. Et là, votre main, comme je le disais tout à l'heure, quatre doigts dans l'espace de trois cases, ça rentre parfaitement. Et la main est détendue à ce niveau-là. Là, au niveau tendon, etc., l'annulaire, c'est pas la même. Donc vous pouvez faire le test à la maison, jouer un La et un La à l'octave, premier et troisième doigt, et puis essayer maintenant premier, quatrième doigt, index, petit doigt. Si vraiment on est honnête, il y a moins de tension dans la main gauche quand vous prenez la bonne vieille pinceouille. Donc voilà, moi c'est ce que je prône pour jouer des grooves. On peut jouer vraiment beaucoup de choses. Premier et troisième doigt. Ou alors, premier et quatrième doigt. Quand on arrive dans ces zones, par exemple, case 3 avec un sol, et que on se met à jouer une gamme pentatonique, on le sent. On le sent dans notre main que ça tire plus quand on met l'annulaire comme ça. Ça tire là-dedans, quoi. Donc ça, il faut le faire. C'est très bien pour jouer donc des fils, des phrases mélodiques. Mais pour groover, là, tout ce que je viens de faire, c'est index petit doigt. Alors ici, pourquoi
s'embêter à jouer avec l'annulaire, le petit doigt qui sert à rien, et cette tension là-dedans qui va rapidement se créer. Vous pouvez vraiment avantageusement remplacer l'annulaire par le petit doigt. En fa, encore pire. 1 Ah, moi ça y est, moi je suis défoncé là. Donc, petit doigt. Cool. Bon, ceci étant dit, maintenant, si vous avez un groove sur 4 cases à faire, c'est comment qu'on fait ? Par exemple, si vous devez attraper une tierce majeure, on est en La. Petite extension de la main gauche. Et l'index vient attraper. Donc là, on se retrouve en situation, effectivement, cette fois, d'avoir 4 cases, 4 doigts par case. Donc ici, la pince, un groove sur 3 cases. Extension, si vous avez besoin, par exemple, de la tierce majeure, effectivement, on se retrouve sur 4 cases. Et donc, dans ce cas-là, vous allez pouvoir cumuler la pince. Et le jeu d'un doigt par case, cette fois, qui est justifié parce qu'on a besoin de surfer sur 4 cases d'écart. Ok ? Mais sur 3 cases, pourquoi faire ça ? Ah ! Et en plus, comme j'ai mis mon annulaire sur la quinte, bah pour aller chercher maintenant la tierce, je suis obligé de faire ça. Tandis que si j'ai déjà mon petit doigt sur la quinte, hop, beaucoup plus facile d'étendre ma main pour atteindre la tierce et faire bah, mon petit fil si je veux. Et là, un doigt par case, c'est cool. Ok ? Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'aspect technique de main gauche, la pince. Je vous encourage à vraiment essayer de développer ça. Ça marche peut-être pas sur toutes les lignes de basse, ça je suis prêt à l'entendre, mais vraiment tout ce qui est 3 cases, et puis aussi 4 cases quand il n'y a pas de fil à faire. Petit exemple. Bon bah ici, pentatonique majeure. Quand vous jouez une pentatonique majeure, vous jouez proprement un doigt par case. Ok. Et vous jouez comme ça. Ok. Un doigt par case, ça fonctionne. Maintenant, les mêmes notes. Fondamentales. Tierce, quinte et sixte. Ok. Je ne mets plus le majeur sur la fondamentale, je vais mettre l'index, fondamentale, tierce majeure, quinte et sixte. Franchement, essayez ces deux positions et en toute objectivité, dites-moi dans les commentaires, sous cette vidéo, la position que vous préférez. Départ majeur et je tire sur 4 cases ma main, mais je joue un doigt par case, je suis dans les clous. Ou alors je pose l'index et je déporte mes notes et je m'arrange pour continuer à jouer sur 3 cases d'écart et plus 4, 3 cases. Avec ma pince, index, petit doigt. Et en plus, je trouve que ça sonne mieux. Allez, pour finir, je vous joue ça avec une batterie et je vous dis à la prochaine. Bye!